Salut les mecs, salut les bolos et les bolossettes. Alors un petit conseil d'entrée de jeu de vidéo là, si t'as envie de pisser, vas-y maintenant. Parce que là tu vas voir que je crois que des bars, on n'a pas fini. Là on n'a pas fini, sur Super ça avait mis, voilà on commençait doucement, hein, sur Mega Drive ils vont monter un peu. Je pense que là aujourd'hui on va passer un sacré level. Hein. Là, on va rigoler, je pense, à peu près autant, voire plus, que Total Carnage sur Game Boy. Je remercie votre participation à cette vidéo quand j'ai sollicité votre aide et vos suggestions. Voilà, pour me proposer ces quelques chefs-d'œuvre, hein, qu'on va passer en revue. Allez, on va commencer avec celui qui est revenu le plus souvent. Alors, je suis sur l'émulateur, hein, évidemment, c'est pas des jeux que je possède. Sauf un, voilà, je te le dirai, moment venu, avec Action 52, on va commencer avec Action 52, donc on va faire No, parce que donc j'ai ouvert toutes les ROM, hein, pour tester qu'elles fonctionnent, je vais monter un peu le volume. Niveau sonore, c'est pas mal. Niveau graphisme, c'est là que ça nous intéresse. Ah, franchement, la voix Digit, elle met rien à dire, hein. Franchement, mais hyper propre, quoi. Alors, Make Your Selection, là. Alors, j'ai essayé vite fait. Voilà, apparemment, en appuyant sur Select, on change de page. Donc, Action 52, qui est un... Voilà, une compilation. Alors, c'est pas comme des jeux pirates, hein, qu'on pouvait trouver, tu sais, 10 000 jeux in one, où c'était Mario 1 décliné sous je sais pas combien de formes. Là, a priori, c'est vraiment 52 jeux, 52 créations différentes. Alors, on va essayer avec le premier. Je n'ai pas tous essayé, hein, mais... Alors, Begin, même menu. Oh là là, ça commence bien. Bon, a priori, c'est un jeu qui se joue à deux. Donc, je pensais... Hop, on va faire main menu. Pas la peine d'aller plus loin. Illuminator. Attends, Star Evil, allez. Deux players à player, ok, allez. Un petit shoot, ok. Non mais sérieux, là. Attends, on va baisser un peu le son. T'as, tu commences même pas, tu te fais violer, quoi. Bon, ça saccade, c'est vraiment dégueulasse, c'est vrai. Est-ce qu'on a vu pire? Est-ce qu'on a vu pire sur NES? Bonne question. Allez, on va... Donc, je mets pause et j'appuie sur Select, ça permet de revenir. Alors, on va pas tous les essayer, hein. On va en essayer... Alors, attends. Silver Sword. Allez, fais voir ce chef-d'œuvre là. Ok. Ça c'est pareil, un petit shoot vu de haut, bon, graphiquement, voilà, extrêmement sommaire. Allez, next. Haunted Hill, bon, le hasard, hein, on y va au pif. Ah, franchement, là, le sprite, il commence à ressembler à quelque chose. Il est mieux que la moyenne, celui-là, franchement, c'est à peu près jouable. Le B on saute, le A on frappe, c'est inversé. Mais c'est pas grave. C'est une nana qu'on dirige, ouais. Ok. Bon bah un coup je suis mort. Bon, très bien. Est-ce que... Non, Dragon Slayer c'est quand même plus beau, hein. Y'a pas à chier. Alors, Storm Over D. Vas-y, fais voir ça. Oh là là, oh là là. Ouf. Ouf. Oh la gueule du tank! C'est un tank ça? Ouh. Ah, il y a de l'idée, mais putain, c'est dégueulasse quand même. Mais non, le Saddam Hussein! Le Saddam Hussein plus gros que le tank! Oh. Ça, rien, mais il pop de n'importe où! Donc je tire avec A, B il est pas utilisé a priori. Bon. Next. Voilà, au moins c'est bien, ils ont fait penser à un bubblegum rosy. Ok. Alors, donc toujours pareil, hein, le B je saute, le A je tire, hein, on sent les mecs, les professionnels de la NES. Alors, je peux pas... Attends, ok. Tu vois, je fais avant, elle saute pas en fait, elle avance que quand elle retombe, quoi. Ouais, bah là c'est pareil, c'est une belle merde, hein.
L'Atari 7800, ça fait mieux. Merde, Ouz. Allez, fais voir Ouz. Sachant qu'il y a The Ouz sur Mega Drive. Oh, la gueule du mec. Alors, B sauté, hein, attiré toujours. Alors, c'est pareil, même problème que chez l'autre, là, avant, tu vois. Là, je maintiens avant, regarde. Tu vois, le personnage, il avance que en... au bout du saut, en fait. Non, mais sérieux, mais comment tu veux t'amuser avec des jeux comme ça, quoi ? Oh là là, oh là là, ok. Ok, next. Alors. Putain, on est déjà à 5 minutes, là, sur... Bah oui, remarque, il y a beaucoup de jeux. Alors. Time Warp, Jigsaw. Jigsaw. Allez, fais voir. Remarque. Ah, Jigsaw, a priori. Bon, bah là, on a un écran noir. Ok. Alors, restart game. Je sais pas si on va passer 5 minutes sur les autres jeux, hein, mais... Bon, Action 52, y a de la matière, quand même. Make your selection now. Franchement, la voix digite, c'est une des plus propres que j'ai vues sur NES, hein, que j'ai entendu sur NES. Hein, ça, c'est... Beat and Pieces. Alors... Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce chef-d'œuvre encore? Ah ouais, non mais là. Graphiquement, on est quand même. Avec cette compile, on est vraiment quand même au summum de la dégueulasserie. Hein. Putain, c'est. Dégueulasserie visuelle, hein, c'est. Putain, enculé. Tout le jeu l'a été fait sur peine, hein, c'est. Bon allez. Alors. Allez, Mashman. Allez, Mashman. Zekame. Attends, Zekame. Bon, allez, vas-y, on va mettre Zekame, allez. Ils sont venus. Ok, c'est un petit chou. Alors, ok. Pas de scrolling. Les blocs, on dirait des dominos. Ok, next. Et le jeu. Et le jeu, il a recraché. Allez, un petit reset. Alors on va essayer Mashman et on va finir par Cheetahman. Ah et là faut recommencer. Faut reconnaître que. Faut reconnaître que. On démarre quand même. Démarre quand même vachement fort. Eh mais regarde son nez, sérieux. C'est à son nez, on dirait une teub quoi. Oh le clignotement de sprite. Eh, il y a deux sprites à l'écran. La NES, elle est en PLS, là. Mais non! Mais c'est quoi ce glitch? What the fuck? Alors, attends. Est-ce que c'est des bonus? Est-ce que c'est des trucs à ramasser? On va les éviter. Mais le clignotement de sprite, comment il est trop pas permis, quoi. Eh, mais franchement, mais intérêt zéro, quoi. T'as on pensait que Power Rangers Mega CD, c'était les bas-fonds du gameplay? Ah non! On vient de trouver pire, les gars. Aucun intérêt. Allez, hop. Alors, on va terminer avec... Cheetahman. Puisque Cheetahman, dans ce marasme de merde, eh ben il s'est décroché du lot. Notera la qualité de l'intro. Parce qu'il y a eu une suite, Cheetahman 2, qu'on va essayer juste après. Voilà, qui fera l'office de deuxième jeu de cette sélection. Donc Cheetahman, voilà, une espèce de gang, hein, à la Battletoad, à la Tortue Ninja, avec des hommes panthères. Bon allez, mine-toi le cul là. On peut pas passer. Vas-y, j'ai envie de jouer là. J'ai soif de gameplay là. Ok. On notera quand même qu'a priori, tous les jeux on peut jouer à deux. Alors est-ce que c'est chacun en même temps ou chacun son tour? Alors. Ok. Donc, le A je frappe. Le B, a priori, ça fait rien.
pas trop bugué là. Franchement, c'est... c'est le moins pire du lot quand même, a priori. Hein. Il y a un petit peu de travail sur celui-là quand même. Ça glitch en haut, regarde. Vous voyez avec le scrolling. Ah là, ça glitch plus. Est-ce que c'est une échelle ça? Ouais. Qui veut pas y aller? Voilà, ok, fallait que j'avance l'écran jusqu'au bout. Bon, ça glitch à mort en haut, hein, mais bon. Allez, on a déjà vu ça dans d'autres jeunesses. Hein. Double Dragon 2 par exemple. Qui lui est un chef-d'œuvre. Bon, c'est quand même très sommaire. C'est quand même très sommaire, c'est quand même très basique. Bon, hein, on a quand même un sérieux candidat au podium d'entrée de jeu, les mecs. Hein. Allez, on va passer à Cheetah Man 2. Va-t-il faire pire que toutes ces merdes qu'on vient de voir? Alors, c'est parti. Cheetah Man 2, 92, Active Enterprise, copyright, all right reserved. Oh, l'intro, ça commence bien. Oh là là. Allez, donc du coup, voilà, on a un jeu de action plateforme classique. Oh là là, l'ennemi qui est bugué. Ah, je peux même pas me baisser. La barre de vie en haut à gauche, elle est dégueulasse. Ok. Ah ouais, lui, ah, il met la barre vachement haut. Autant, dans Action 52, on peut comprendre, il y a beaucoup de jeux, tu vois. Mais là, le jeu, il est tout seul dans la cassette, là. C'est un fantôme ou quoi, cet ennemi? C'est à peu près jouable. Regarde, quand je saute, le glitch au niveau du score est... la barre de vie, non, mais c'est le score. La console, elle n'arrive pas à tout afficher en même temps. Ah, ok, a priori, je crève si je tombe de trop haut. Je peux pas me baisser, hein. On va essayer d'avancer prudemment. Du coup, ce coup-ci, on va pas prendre les plateformes. Bon, je suis obligé de prendre les plateformes, du coup. C'est injouable, on peut pas se baisser, on peut pas... Les ennemis qui sont au sol, on peut rien faire. Le game design, il est claqué. Le jeu, il est claqué, quoi. Le jeu, il est complètement pété, quoi. Même avec des save states... Attends, phare. Ok, j'ai fait une save state, là. On va tenter... Voilà, c'est à chaque ennemi, on va faire une safe state, là. Alors, évidemment, hein, là... Ok, j'ai fui, là. La précision, hein, pour... Vas-y, je vais reload, là. Ok, l'araignée. Hop, on laisse passer. Voilà, hop. Oh, là, la double PLS. Attends, j'ai fait le reload. Non, mais... Ça, c'est impossible à passer, quoi. Il fallait que je monte sur le bloc, voilà, ok. Mais what the fuck. Vas-y, reload là. Attends, on va tenter ma théorie là. C'est bien ça, c'est fallait monter sur le bloc, ok. C'est clair. Je laisse passer, on va passer en bas là. Ah merde, c'est des pics ça. Alors attends, c'est assez chaud, hein. Franchement. C'est stay. Ok. Notera la qualité du décor de fond. Du jamais vu sur NES. Hein. C'est la mort du fun, ce jeu. C'est un truc de fou. L'animation du clébard. Bon, tu vois. Non, mais ça me fait marrer parce que... On évoque toujours Dragon Slayer. Hey, Dragon Slayer, pire jeu de la NES, machin. Non, mais sérieux, les mecs. Dragon Slayer, c'est un chef-d'œuvre à côté de ça. Faut arrêter de déconner, quoi. Bon, hein. Allez, y a un crâne. Est-ce qu'il y a un boss pas loin? Eh, mais attends, le jeu, il est en train de... Il loupe, là. Regarde. C'est exactement la même scène qui se répète, là. Sérieux? Mais sérieux? Mais non, ça se passe pas, ça. Ah,
Ouais, vas-y, fuck. Allez, allez, va te faire foutre. Donc, Sheetamène 2. Sheetamène 2, attention. Oh là là, attention, là. Là, c'est pareil, hein, on a du candidat extrêmement sérieux. Alors, ensuite, il y avait l'ami Upsilandre, hein, que je salue, je remercie, qui m'a fait une liste très pertinente de jeux. J'ai pris un jeu dans sa sélection qui, selon lui, était incontournable. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai dit oui. Et dedans, il avait proposé le shoot Exed Exis. Voilà, je sais pas si je le prononce bien. Parmi vous, il y en a qui m'avaient proposé Xevious. Très pertinent. Et moi, de mon côté, j'avais mon petit chouchou. J'avais Alpha Mission. Alors, le choix était très dur. Hein, j'ai vraiment hésité entre Exed Exis et Alpha Mission. Alpha Mission que je possède en plus. Hein, que je possède complet en boîte. Que j'ai eu le privilège d'acheter à l'époque. Hein. Et... ouais, Alpha Mission, donc SNK, on connaît, beaucoup d'entre nous connaissent Alpha Mission 2 sur Neo Geo. Et bah le premier, il est là, il est sur NES, les mecs. Est-ce qu'il existe en arcade? Je sais pas. Mais regarde-moi ce chef-d'œuvre. Graphiquement. Les bruitages, chacun jugera. Alors le B, tir principal. Le A, voilà, tir pour envoyer les bombes au sol. Alors Xevious c'est bien dégueulasse. Le Exed Exis, allez, on va dire qu'il est simple. Tu vois, c'est un style. Mais là, là, puis le jeu il est long. C'est ouais. Ah ouais, faut vraiment que je prenne du speed up là. C'est un peu, mais putain, c'est... On dirait que le jeu, il a été fait sur peine, quoi. Franchement, là, SNK... SNK, c'est pas sérieux, là. Hein? De Dieu. Je sais même pas si c'est SNK, là. On va retourner à l'écran de... Si, c'est SNK, je crois. De toute façon, je mettrai une photo de la jaquette, hein, à côté. Hein. Mais je vais quand même vérifier si c'est SNK. Alors, est-ce qu'on a eu un checkpoint? Non, on reprend au début. Allez, vas-y, j'ai pas envie d'y rejouer. Alors, on va quand même vérifier, c'est SNK. SNK. Ah, ben là, SNK. Ouais, ouais. Bon, ouais, on a tous... On peut tous faire des erreurs, hein. Y a pas de soucis. Alors, les deux derniers jeux, ça va être des jeux Famicom. Des jeux à licence. Alors, on va... Je descends dans ma petite liste. Et parmi vous, il y en a qui m'ont proposé... Alors, Kinnikuman. Kinnikuman, qu'on connaît chez nous en France sous le nom de Muscleman, Muscle Man, 85 Bandai. Il semblerait qu'on soit dans le haut du panier graphique de la NES. Ah ouais. Ah ouais. Allez, on va prendre Muscleman. On va choisir adversaire. Voilà. Le gars à cornes, tiens, je le sens bien. Alors, le B je saute, le A je frappe. Alors attends, mais je suis le gars à cornes moi. Ah non, attends, ça se joue en tag. C'est du tag. Ah oui, Muscleman il est là-haut là. Voilà. Ok. Alors celui que, je ne souviens plus de ton nom, hein, mais tu te manifesteras dans les coms, qui m'a proposé Kinnikuman. Tu t'avais mentionné, tu dis, ouais, graphiquement, le jeu est dégueulasse. Par contre, a priori, il est fun. A priori, il est rigolo. On peut se taper des barres. Alors, je sais pas, mais j'ai pas trop le temps de le creuser. J'ai pas trop envie de le creuser, là. C'est moyennement jouable quand même, hein. Mais alors graphiquement. Oh. Ah ouais, non, mais là, on est au niveau Atari, les mecs, là. Pourquoi je peux plus sauter, là? Je peux plus sauter, là. Ah ouais, regarde, c'est mon point de vie en haut, là. Je vais crever, en gros, là. Attends, je vais voir si je peux changer de mec. Ah ouais, regarde, je suis trop lent, là. Je suis mort. Ça y est, je suis mort.
Ah ouais, non, mais graphiquement là. Ah, je vous avais prévenu, les mecs, hein. Ah, je vous avais prévenu. Cette vidéo, ça va être du lourd. Ça va être du lourd, ça. Dans les sondages, je pense que ça va être serré quand même. Hein. Le Action 52, il est pas. Il est pas si évident que ça. Hein. Ouais. C'est chaud quand même. Select. Start, ça fait pause. Il n'y a que le bouton A pour frapper, a priori. Ok, c'est moi qui ai pris le berserk là. C'est chaud quand même, t'as les hitbox. Ok, il a changé. C'est claqué. Putain, le jeu. Niveau gameplay, c'est chaud quand même. Notre A, la qualité de la musique, les enfants, hein. Bon, allez, c'est bon, là, je commence à. Cours, Forest, cours! Oh, je me fais déchirer, là. Ah, il m'a violé, là. Moi, je suis mort, ça y est. Allez, fin du match, vas-y, tue-moi. Allez, hop, c'est bon. Alors, si parmi d'entre vous, hein, y en a qui connaissent bien la licence Muscle Man, eh ben. Si jamais t'es arrivé à reconnaître des personnages, bon, Muscle Man, on le reconnaît. Les autres, je sais pas. Mets-moi ça dans les coms. Et vas-y, on va essayer le dernier jeu de cette sélection. C'est un jeu proposé par l'ami Epsilon qui disait que selon lui, on pouvait pas. Voilà, une vidéo de ce type, on pouvait pas passer à côté de ce jeu. Alors. Où que c'est qu'il est? Où que c'est qu'il est? Normalement, il est pas en bas. Alors. Ah. Attends. C'est un jeu japonais. Non, c'est Ninja Gaiden 3. Alors. Ah, il est là. Voilà. Okuto no Ken, les enfants. J'ai essayé la rampe vite fait. Je l'ai essayé genre. Mais 10 secondes. J'en pouvais plus. J'étais en PLS. Je me suis pissé dessus. Rien que le bruitage. L'animation dira Game & Watch, quoi. Le bruitage, c'est trop ça, quoi. Mais j'en peux plus, quoi. Alors, le B, coup de pied. Le A, coup de poing. Voilà, on note l'animation, quand même, hein. Bras, droite, gauche. C'est pareil, ça fait Game & Watch, hein. Et du coup, le O, on saute. Graphiquement, alors, personnage, ça peut peut-être aller encore, mais putain, l'immeuble derrière. Ah, il est vraiment cassé, l'immeuble. Ah, le bruitage du mec. Oh, oh, oh. Putain, on dirait un chat qui est en train de dégueuler, quoi. Ah non, mais j'en peux plus, là. Ok, alors. Bon, les coups de pied. Putain, le mec, il part. Ah non, mais. Eh, hey, chef d'œuvre. Les mecs, c'est chef d'œuvre. Putain, c'est chef d'œuvre. Alors. Le sang en moins, quoi, mais tu as le mec qui gicle. Il manquait plus que une voix digite, tu sais, où il dit en japonais. Je sais plus comment il dit en japonais, mais tu sais pas encore, mais t'es déjà mort, quoi. T'as, tu mettais une voix digite bien dégueulasse par-dessus ça, là. Là, c'était parfait, quoi. Oh, le mec en rose. Non,
oui, il est en pyjama, le mec. C'est énorme. C'est énorme. Upsiland, mais... Mais merci, quoi. Je connaissais Ken sur Master System, là, avec la version Black Belt, hein, la version pâle, complètement dégueulasse, là, mais la version NES, putain. J'en peux plus, quoi. Bon, l'animation est pas mal. Bah, c'est vrai que, putain, c'est sommaire. Est-ce que... Non, je peux pas le kicker. On dirait un peu un... Oui, c'est un Kung Fu, quoi. C'est un clone de Kung Fu, quoi. Avec le mec à boomerang. Ouais, donc j'ai la barre de vie. Alors, on va essayer d'aller au moins au premier boss. Oh, la vache! Ah ouais, là, ça s'énerve, là. Ok. Ouais, la hitbox au niveau du pied. Faut vraiment que ça soit le pied. Donc le point au corps à corps et le pied, tu vois, pour... Voilà, distance un peu plus lointaine. Non mais attends, je suis en train de... Il y a un truc à faire, là. Il me semble qu'on pouvait rentrer dans un des immeubles. Ouais, j'ai mis pause, là, voir. Eh non mais, le bruitage quand il frappe, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, quoi. C'est franchement, c'est hyper fidèle. Je suis pas grand connaisseur du manga, mais... C'est vachement fidèle, quoi. Ah non mais cette animation, c'est... C'est exceptionnel. Bon. Bah ouais, on dirait que je tourne en rond là, il doit y avoir un truc à faire. Puis bon, j'ai pas envie de creuser plus que ça. Mais il me semblait qu'on peut rentrer dans l'immeuble parce que quand vous m'avez proposé vos trucs, j'ai regardé vite fait des gameplays sur YouTube pour juger, hein, de la pertinence du truc. Et quand j'ai regardé la vidéo de Ken, j'ai vu le mec qui rentrait dans l'immeuble derrière. On va essayer de faire ça. Ici, là, ouais, voilà. Là où il y a le gamin. Alors peut-être faut rentrer uniquement quand le gamin est là. Putain, alors j'ai maintenu A et B enfoncés, j'ai fait O. Ok. Allez, on va pouvoir voir un peu plus. Donc là, on voit strictement rien. Personnage, décor, tout est à la même couleur. Bon, c'est quand même mieux, hein. Graphiquement, là, c'est quand même mieux. Donc, faut maintenir AB enfoncé et faire O. D'accord, je suis sorti, là. Attends, je peux plus rentrer, là. Ça va ? Non, a priori, on peut bouger que quand il y a le... Quand il y a le gamin. Bon. On va pas chercher plus loin que ça, ça fera déjà une petite vidéo d'une demi-heure. Allez, on va mettre pause. Bon, ben j'espère que t'auras bien rigolé, t'auras peut-être pissé en ton froc, t'auras peut-être dégueulé aussi, hein, voilà, en fonction de chacun. Mettez-moi ça dans les coms, et puis surtout, ben je vais vous mettre en complément de cette vidéo dans l'onglet communauté de la chaîne. Du coup, ben un petit sondage, hein, pour que tu puisses voter pour ton champion. Le choix va, je pense que le choix va être difficile, hein, c'est... Ouais, Action 52, c'est pas si évident que ça, quoi. Bref, allez, j'espère que vous êtes bien marrés, exprimez-vous dans les coms et dans le sondage, et n'oubliez pas que tout ceci est qu'un jeu !